Bonjour. Pas bonsoir, bonjour, parce que bref. Découverte de Exit 8. Il y a une petite musique de fond. Ah ouais. Le jeu n'a quasiment pas d'ambiance sonore. Petite musique de fond, c'est pas de trop parce que le jeu n'a quasiment pas d'ambiance sonore. J'ai mal lu. Ouais. Bah je vais. Là on a mis une petite musique un peu chill wave. Ça pourrait être pas mal. Découverte du coup. Salut. Bonjour à VOD. Oui, on vous voit un petit peu sur VOD. Un jeu un peu des 7 différences. Enfin, 7 différences, pas vraiment. Mais un jeu en tout cas où il va falloir simplement chercher les différences. Et de ce que j'ai compris, c'est tout. Couille. Oui, voilà, on entend... Attendez, on entend le néon. Au début, je vais rester sur une ambiance comme ça. Histoire que on soit un peu dedans. L'ascensier, elle est un peu balèze. Je vais baisser ça. Je mets 0,5, je pense. Ah, il y a la caméra accélération. C'est un peu chiant quand il y a ça. Mais bon, là, c'est pas important, c'est pas un FPS. Enfin, ouais, voilà. Un FP, mais pas un shooter, quoi. Caméra normale. Vidéo, borderless, machin, motion blur. On va l'enlever. Anti-aliasing, tout ça. Bon, je vais laisser tel quel. Et l'audio est à fond. Ok, c'est un peu mieux la sensibilité. Même si elle est toujours... Toujours un peu... Attendez. Alors, de ce que j'ai compris, il faut que je regarde même lui. Faut que je le regarde bien. Pardon. Ma tomboule... Non, j'observe... différence, wesh. Avec son boule, là. Au moins, j'aurais vu comment il est, son boule. Genre, hé, hey, ça va, hé. Hey. Alors, de ce que je sais... C'est vrai que le néon, ça va. Je laisse comme ça pour le moment et on va mettre une petite musique après. De ce que je sais, il faut bien regarder les détails des trucs. J'ai regardé, en fait, vraiment quelques minutes. Il y a un petit moment. De chez Uni, puis quelques minutes, plus récemment... chez d'autres streamers, mais vraiment que le début, en me disant ça franchement je sais que j'aimerais bien le faire en live donc je veux pas regarder plus, mais je connais le principe. Je connais le principe du coup en ayant vu le début chez les gens, il faut que je regarde bien. Alors attendez, du coup, on a quoi? On a... Je recule. Ou alors je fais un instinct. Ça, c'est facile à retenir. Oh! Il y a un peu de couleur, là. Ça, vous voyez? Je suis sûre que c'est des détails où à un moment, tout sera en noir et blanc. J'en suis sûre. Il y a plusieurs portes. Il y a des lumières. Il y a des caméras de surveillance. Et là, là il y a écrit quoi? Concours. Ok. Et du coup... Le Yolox. Attendez, ça aussi. Il y a combien? Il y a 4 carrés. Jusqu'à la ligne jaune. Et du coup, le but, c'est d'avancer et de passer d'arriver jusqu'à la sortie suivante à chaque fois. Là, on est à la sortie 0. Et c'est bien fait, quand même. C'est sur Engine 5. Engine 5. Quatre carrés, ça, c'est important. Du coup, il n'y a vraiment pas de tuto alors? Parce que moi, j'étais arrivée un peu en cours à chaque fois sur les streams. Ça explique pas du tout. Les gens, ils ont découvert comme ça ce qu'il fallait faire. Ils sont forts. Un téléphone dans la main et la sacoche. Et un cul. Est-ce qu'il a changé de couleur de cheveux? Je pense pas. Jasnimir, merci beaucoup! C'est toi le tuto, c'est possible. Il est trop bien ce jeu. Ah, ça connaît un petit peu, ok. Merci Jasnimir! Pour les 5 mois! Merci! Merci beaucoup!
C'est RTX on. Mais moi, je crois que j'ai pas le RTX. Et vu qu'elle vit ici. Oui, c'est vrai, un petit peu. Il faut avouer. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Alors ça, il y en avait deux là-haut, il y a trois portes. Oh, le bruit de néon est infect. Est-ce que... Ok, bref. Bah, je vais continuer d'avancer, hein. Parce que en fait, j'imagine que là, là, c'est pour me familiariser. Donc il n'y a rien, tu vois, juste c'est... Oh, il y avait ça? Je n'ai même pas remarqué. Il y avait? Interdit, tu mets ici, caméra là-haut. Ah, oh, attends, concours, il y avait écrit concours. Concours. Ah, on peut courir en arrière. Exit 8. Ok, ok, les yeux de la dame sont colorés un peu. Enfin, un œil en fait. Eh, choix artistique, intéressant. Make-up art. Mais pourquoi se foutre du pu au-dessus des yeux? C'est bizarre un peu. Enfin, des... Bref. Salut chez Goras. Gorath, pas Gorath. Petite référence avec les backrooms. Bah oui, on a un petit peu ce côté backroom, ouais, complètement. Mais c'est la mode des backrooms, je la retrouve dans plusieurs jeux. Dans Lethal Company, je la retrouve aussi de fou, hein, le délire des backrooms. Mais du coup, faut que j'avance comment? Là, je suis toujours à l'exit 0. Ça veut dire qu'il y a une différence là par rapport à la première fois où j'y suis allée? Il va plus vite que d'habitude, non? Bon, je vais avancer encore, on verra. Le Yolox a pas payé mes merdas. Mais niveau backroom, moi je vous conseille... Attends, c'était lequel qu'on avait, que j'avais découvert? Je l'ai adoré. C'était... Terminal? Non, oh, je sais plus. J'en ai testé un qui était vraiment très cool. Keep left. Ah, faut que je reste à gauche peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça, peut-être que je passe pas à l'étage suivant si je reste pas à gauche. Attendez, je reste à gauche. C'est peut-être ça. Hein. Enfin, je dis étage, mais c'est pas des étages. Ou alors... Non, en fait, il va au même rythme que d'habitude. Et son fiac est toujours le même. Petite chaussure de ville. Tu fais trop peur? Oh, ça m'a fait peur! Ça, c'est pas normal, ça, hein. Ça, c'est pas normal. Normalement, il y a une DJ ici. Oh, ça m'a fait peur! Ah! Je m'en vais! Je keep left. Ah ouais, du coup, là, je suis outre. Oh, l'étage 1! Ok, on a compris. J'ai flippé. Moi aussi, j'étais très proche du mur, en plus. Hop là, attendez, je mets un petit peu... Vous l'entendez à peine. En vrai, le son du jeu est tellement fort. Faudrait limite une musique angoissante, un peu non, pour être dans le thème. Alors attendez, j'analyse. Lui. Tu marches au rythme avec ma musique ? Ça va. Ok, interdit de fumer ici. Ok. Petite porte, il y a trois portes et il y a deux trucs là-haut, ça je sais. Bon, ok. Pour le moment, la première différence était pas trop horrible. Donc ça, en fait, il y a bien, j'avais juste pas remarqué. Mais voilà, c'était une DJ. Je m'en rappelais de la DJ. Concours. Ok. Exit 8. Ok. 1, 2, 3, 4 par rapport à la ligne jaune. Ok. Bon, après, si c'est écrit quelque chose de différent, mais je pense pas que ça aille si loin. Si c'était du détail comme ça, le jeu, il aura pas plu. Caméra de surveillance, là-bas, il y en a deux en tout ou trois? Il y en a trois en tout. Ouais. Pourquoi cette peur des enfants à l'allure décédée? Ah, je sais pas, un trauma peut-être. Ça devrait pas faire peur.
Ouais, tant que c'est écrit 0, c'est que je me suis trompée. Oh, sortie 2. Bah, ok. C'était bon alors. J'étais un peu en mode, bon, au pire, si j'ai pas vu une anomalie, j'en verrai une plus tard. Mais en fait, il y en avait vraiment pas. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un détail qui a changé, mais je saurais pas trop dire lequel. Ah, c'est chaud. Tout a l'air nickel. Effectivement. Je crois que c'est pas autorisé de fumer. Ah, tu voudrais dire que le fait qu'il y ait des panneaux partout nous interdisant de fumer, ça veut dire qu'on n'aura pas le droit. Un petit peu terre à terre comme interprétation. Ok, bah pour la peine, je m'en vais. Oh, il s'arrête ? Tu regardes quoi ? Il y a des jeux sur ton téléphone ? Oh, le pauvre, il est trop enfermé dans un jeu vidéo. Ok, exit 3. Trop fort. Tu veux pas une clope, c'est ça? Je devrais pas regarder le chat autant. Non, oh là, attendez. Là, s'il y a une différence, c'est du détail, là, j'ai l'impression. Oh là, attendez. Caméra, on a 3, on avait dit. Porte, il y en a 3. Truc d'évacuation, on a 2. Toi. Tu es toujours superbe. Interdit de fumer. Ouais, il y en a qu'un. Enfin, il y en a qu'un à cet endroit-là, en tout cas. Concourse. Est-ce que la distance, elle a changé? Oh, non, je pense pas. Ok, il n'y a pas de gens bizarres. Sauf bah, ses yeux bizarres, quoi. Toi, t'as toujours tes mucus au-dessus des yeux. Ça avait un truc rouge, là il y avait le petit bonhomme ici et puis là il y avait des animaux. Ça faut que je repère un peu. Il y a des gens et des sièges et des points d'exclamation. Il y a des PNJ quoi. Franchement je la sens bien moi cette pièce. À moins qu'il faille compter les néons, mais je suis sûr que non ça. Pour ça, en fait, si j'avance ça veut dire que je considère que la salle est bonne et n'a pas de différence. Et si je recule, là ça veut dire que j'ai détecté une différence. Et si j'ai bien fait de reculer ou d'avancer, ben je vais passer à l'étage suivant. Enfin l'étage, c'est pas un étage, c'est à la sortie suivante. Si j'ai pas bien fait, ça va me remettre à zéro de ce que je sais. Merde, il y avait une différence, fuck! Voilà, là on repart à zéro. Ah mince, je pensais pas du tout. Fallait peut-être compter. 1, 2, 3, 4, ça c'est bon, ok. On repart à zéro, c'est pas grave. Exit 8 et concourse. Concourse. Toi. Une petite tache au-dessus de l'œil droit, c'est normal. Pardon, je jure seulement. Bon, ok, ça on va dire que c'est... On va dire que c'est bon. 1, 2, caméra, 3, porte 3. Est-ce qu'il faut vraiment que je compte la distance entre les portes? Oh, j'ai pas envie, hein. Non. Non, c'est bon. Ok, non, petit tips. Cette porte-là, elle est en face. Elle est quasiment en face des yeux, mais pas tout à fait. Voilà, ça ce sera un petit tips. Et cette porte-là, elle est en face, elle est entre eux. Le truc jaune et le truc blanc. Voilà. Comme ça. Et là, bon, elles sont assez proches normalement. Donc ça, ce serait simple. Mais au moins, cette porte-là, je vais repérer qu'elle est quasiment au niveau des yeux. Voilà. Si son boule change, je lock the verra direct. Je suis incollable sur son fiac. C'est ça, quand on connaît bien quelqu'un. Je mate pas les fesses, je mate les différences. Voilà, niveau 1. C'est bien, c'est bon. Je pense que c'est vraiment à partir de là, hein, les différences. C'est pas avant, je pense. Oh, la lumière, elle était rouge comme ça avant? Oh, je sais pas. Ne répondez pas, répondez pas.
Juste, si je vois pas la différence et que je passe, vous pouvez me dire si vous, vous l'aviez vu. Après, me spoil la différence, ce serait dommage. Mais bon. En vue. Allez, un petit vu au pire. Une fois que j'ai passé. De toute façon, je regarderai le chat qu'une fois que j'ai passé. Comme ça, vous pouvez parler. Voilà. Voilà, on dit ça. On dit ça. Ici, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Concours. Concours. Exit 8. Ok. Deux trucs. Ça, c'est presque au niveau des yeux. Voilà. Est-ce que ça s'était allumé? Oh, deux... Oh! Monsieur Q, vous êtes où? Monsieur Q, vous avez un téléphone? Je vous ai au beurre. Monsieur Q! Ok, niveau 2, ça va, c'était facile. En tout cas, c'est quoi? J'irai vu même pas ce que c'est, voilà, c'est ça. Comme ça, moi, je regarde le chat. Après. Mais vous pouvez, voilà, comme ça, mais voilà, là je suis en phase où, attention, dis un coup, oui c'est vrai que, oui ça fait cauchemar, bah ça fait vraiment un truc sans fin. Attention, je vous regarde pas tant que j'ai pas vu de différence ou que je suis pas passé au truc. Comme ça là vous pouvez parler. Ok, 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 attendez, attendez, attendez. Attends, il est allé vachement vite non? Non, je dis ça à chaque fois, c'est juste que c'est... Vu qu'il a un super cul, il arrive à se déplacer très vite avec. Une caméra là, ça on l'avait déjà vu. Une caméra là-bas, une autre caméra là-bas. No smoking. Vous savez qu'il y a des films français qui s'appellent No Smoking, avec du coup des scénarios alternatifs en fonction de si je sais plus qui fume une cigarette ou pas. Bref, un film français. Des films français. Attends, j'ai rien vu de différence. Attendez, attendez, je me concentre. Le sol, 4, c'est bien. Ça y avait, ça y avait. Bon, ça y avait. Elle est tachée la porte, non? Ce serait pas à ce point-là. Non, c'est mes yeux qui sont tachés. Ouais, c'est mes yeux, ils sont tachés, c'est tout. Franchement, je la sens bien, cette pièce. Hein. Je la sens bien. Je vous regarde pas. Je regarde après. Oh, je pourrais mettre des musiques de Subnautica. Je pense que ça irait bien. C'est un peu sale, mais je pense que c'est les... Allez, vous savez quoi? Moi, je la sens bien. La salle. Va, pas le gars. Attention, je passe. On va voir si j'ai eu tort. Oh merde! Vous l'aviez vu? Bu mon verre de coca. Nope. Ok, ça me rassure, ça me rassure. Bon là, la musique est bien, mais après je mettrai des musiques de Subnautica. Bon, ok. Pas vu, pas vu. Ok. Non mais c'est bien. Bon. Faut peut-être que j'analyse un peu plus les panneaux. Ça a toujours fait ça le plafond? Oui bah oui sûrement. Tu penses Catholise? Coucou. Oh non! C'est possible que j'ai trop reculé pour mater le boule du gars et que du coup j'ai annulé mon essai. Oh merde. Hello Mello, c'est toi belle. Comment que tu vas petite Meloka? Putain faut que j'arrête de t'hypnotiser par ton fiac. Ça vaut ma défaite. Ok donc là exit 8 et là concours, pas off course. Ok ok. Je commence à avoir un peu plus de détails, j'essaye de retenir le 8-8 là-bas. Là j'ai retenu qu'il y avait une petite bulle avec une date. Et que on dirait qu'elle menace un chien mais non c'est un peigne. Là il y a des PNJ, là il y a des yeux avec du
mucus. Là, il y a 3000. Ça, je m'en rappelle. Là, il y a caméra. Là, il y a ça. Tac, on avance comme ça. Chuic, chuic, chuic. Voilà. Oh. Attendez. À ce point? Ah oui, remarque, peut-être. 4. Regardez un peu plus le plafond aussi. Ça, j'arrive pas à voir. Attendez, attendez. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Il y a trois carrés. Mais ils sont placés à des endroits horribles, jamais je pourrais me rappeler. Ça, franchement, je vais pas commencer à compter. Je vais le faire à l'instinct. Il y en a trois. Ils sont en quinconce. Bon. Ok. Ok. On... Petit truc vert ici. Je vais essayer de me souvenir. Petit truc vert, truc rouge à côté. Et la lumière est bien allumée. Je vais essayer de m'en souvenir. On va voir si c'est bon. Je keep left. Oh, c'est bon. C'était bon. Il n'y avait pas de différence. Ok. Ok. Monsieur Q, il va bien. Ça y est. Oh, il y a un néon. J'ai repéré. J'ai repéré. Il y a le néon. Il est tout dégueulasse. C'est trop dégueu. Oh, mais les autres, en fait. Ils sont tous dégueux. On fait la route ensemble. 10 ans, on se croise souvent le matin pour aller au travail, mais on n'a jamais pris le temps de discuter. C'est dommage. Hein. Je voudrais pas qu'on discute. Genre, apprendre à se connaître, quoi. Professionnel. Ah, d'accord. Non, mais je veux pas envahir ton espace personnel. Ça m'embêterait. Bisous. Ok. Let's go. Bah oui, ça va, on fait un jeu de différent. Je sais pas si tu connais le jeu, mais Loka. C'est un jeu où il faut savoir quel est... la différence. Attendez. C'est un jeu où il faut repérer des anomalies dans ce couloir par rapport au couloir de base. Voilà. Et les anomalies peuvent être assez obvious ou peut-être plus cachées. Et il y a toujours ce gars qui passe, qui fait son petit mystérieux. Je vais pas trop reculer. Et voilà. Exit 8. Concours. C'est bon. Là, du coup, il y a 8-8. Là, du coup, bah, je peux pas trop... Mais la dame est en vert, en tout cas. Avec des cheveux bruns, elle est toujours en vert. Ok, les chiffres, c'est bon. Zui. Je crois que c'était bien Zui. Voilà, là, le yeux, il est bien marron. Là, c'est 3010. Là, c'est yeux. Oh, eh, là, je suis collée à ça. Et bam, screamer. Pouh. On sera tous trop deck. Ouais, c'est à peu près là. Ok. Il y a le petit truc, il y a un truc rouge. C'est ça, ça, c'est ça. Les caméras. Les caméras. Trois caméras en quinconce. Et les carrés. Les carrés sont en quinconce aussi. Bon, je pense qu'on est bien. Honnêtement. Il est à fausse couloir. On a vu pire dans une... Là, c'est une sorte de gare. Bon, c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait un peu chiotte public aussi. Mais... Disons que bon, c'est pas le couloir de métro, de transport en commun le plus déprimant que j'ai vu, franchement. C'est dans ta tête le néon, c'est toi ta tête. Ok. Ça m'intrigue, oh stylé. Bah ouais, en gros voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et s'il y a une différence, il faut que je recule. Si je vois une anomalie, je m'en vais. Et là, je suis passée au niveau 3, donc c'est que ça marche. Et si malheureusement je me trompe, eh ben je repasse au niveau 1, et le niveau 0, et le but c'est d'aller au niveau 8. Bon, exit 8. Oh, j'aimerais bien qu'il y ait une différence là, parce que je le sens pas. J'ai l'impression que ça va être trop dur à trouver sinon. Ok, fiac. Ok. 8-8. Petit bonhomme. Elle a pas changé d'attitude. J'ai l'impression. Ah! Ah, j'ai l'impression qu'elle faisait autre chose avec ses mains. Qu'elle faisait pas ça. Je vais regarder ma rediff. Non. Je vous lis pas.
Il y a eu un truc, il y a eu un bruit. Attendez, faut peut-être que je mette le jeu plus fort. Il y a un bruit, non? Mais je pète un câble, vas-y, j'en sais rien. Non, non, non. Vous pensez qu'elle a changé? Non, elle a pas changé. Elle a pas changé. Non, non, je me calme avec ma paranoïa. J'arrête d'essayer d'avoir la confirmation, je vous lis pas. J'ai vu qu'il y a eu des messages en plus, je vous lis pas. Sinon, c'est pas du jeu. J'entends des trucs. Est-ce que vous pensez que les trucs qu'on entend des néons peuvent être une anomalie? Je pense pas, c'est juste l'ambiance sonore. Je suis pas une dégène. Oh, j'ose pas. J'ose pas. Là, j'ai l'impression que j'ai raté une anomalie. Là, j'ai cette sensation horrible. Non, j'entends vraiment les néons faire des clics. Je sais pas. Est-ce que les clics peuvent être une anomalie? C'est toi l'anomalie. Ah, et puis merde. Voilà, non, il y a rien. Voilà, vous allez... Non, mais c'est bon, il y a rien. De toute façon, on le sait. On le sait, il y avait rien. Ça va, je le savais, j'avais compris. Niveau 4. Ok. Bon, faut que je voie le gars. Je vais mettre la musique de Subnautica. Attendez. Subnautica. OST. Là, je le sens de fou, là. En espérant que j'ai toutes les bonnes musiques. Attends, j'ose pas reculer, mais son téléphone, il m'a l'air blanc. Son téléphone, il m'avait l'air blanc, mais du coup, j'ai pas bien regardé. Je peux pas reculer. Je vais voir. Concours. Son téléphone, il m'avait l'air blanc. Subnautica. Couille. Mais je pense que c'était un reflet. Qu'est-ce que c'est que cette poignée? C'est pas un zizi? N'importe quoi! Je recule! Niveau 5! Je savais que t'avais pas le téléphone blanc! Je le savais! Je recule pas trop, attendez. Level 5. Ok. Ok. Caméra au-dessus. Ok. 8-8. J'ai créé une anomalie, je l'ai fait se déplacer. Ok, 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 ok. On a deux. Toi. Hop. Merci pour les GG, vous êtes pipou. Il y a 4 avant qu'il y ait la ligne jaune. La musique, elle va bien? Vous l'entendez un peu? Je regarde un peu plus les panneaux quand même. C'est bien celui, hein, c'est toujours ça. C'est ok, ok. C'est ok pour la musique. Bon. On a bien écrit concours. J'ai vérifié oui. Écoutez, je la sens bien cette salle. Je vais arrêter d'hésiter. Oh, niveau 6 mais je suis incroyable. Merci. Ok. Ok.
c'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh ça on le savait. Le cul va bien. La mallette elle a pas l'air d'avoir changé je crois. Bon, exit 8. With a smile. Machine verte. Concours. PNJ. Œil bizarre. DJ 3000. Yeux. Porte. Yeux encore. Ok. Porte normale, porte normale. Lumière, lumière, truc. Bon. On va regarder un peu plus le plafond. Le sol, je vois rien. Carré, 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 quinconce. Trois caméras. Ma modo qui me troll. Vu ? Ah non. Je la sens bien, cette salle, mais je vais peut-être le regretter. Au niveau 7, OMG ! Ok, je voulais un peu, je voulais un peu. Voir un coup. Timothée Chalamet. Écoute ton cœur. Attention, on est tipard. Bien sûr de... À chaque fois, oui, en vrai, oui. Après, je ne sais pas quels sont les probas. De chaque truc. J'ai pas vu d'anomalie sur lui pour le moment. Bon. Il y a une caméra, il y a un carré. Ok. Exit 8. 8-8. Truc. En course. PNJ. Ouais. Yo-yo. Make-up art. Machin 3000 et yo-yo. J'aurais bien aimé avoir une différence là, très obvious, comme ça, ça m'aurait rassuré. Parce que là, j'en vois aucune. Et je suis... J'ai rien dit. I said nothing. Nothing. Je me casse. T'as vu, j'ai trop flippé. Exit 8. Ok. Mais j'imagine qu'ils vont tomber sur une bonne salle, sinon je vais reculer. Oh, peut-être pas après, je sais pas. Okay. Oh, la pression. Il faut que je regarde le gars un peu. Notre téléphone. Il avait l'air normal, hein. Il a l'air normal. Ok. 8-8. Dame en vert. 8-12-19. PNJ. Yeux. 3000. Yeux. Ouh. Ça fait bizarre. Il bouge. Oh putain. J'allais me coller à eux comme je fais à chaque fois, mais j'ai vu un petit truc. Oh là là. Ok. Ah oh, dommage, ils ont pas l'air de me suivre. Enfin pas vraiment quoi. Bon, ça va. Donc on revient en arrière. Ah ouais voilà, 8, mais du coup là ça va être la vraie sortie. Oh, what the fuck. Comment il va faire. Oh le mec. Ah oui, donc faut que je trouve une bonne sortie. Oh elle est trop vénère. Gars,
Il me regardait, il allait vers moi. Je pensais qu'il allait juste faire son... Oh non! Parce que j'allais juste le regarder passer, ça m'aurait fait rire en fait. Oh, j'ai game over 8! Oh non! Alors que j'ai vu... En plus, j'avais vu la différence. C'est juste que bah, je pensais pas qu'elle allait me tuer, cette différence. Oh non! Bah c'est Tipar. Pourquoi t'as pas couru? Mais parce qu'en fait, je me suis dit qu'il allait faire son chemin comme d'hab, il me fait jamais rien. Je me suis dit, c'est pas en allant plus vite qu'il va me faire quelque chose de méchant, tu vois. Et je pensais pas qu'il allait me coincer, au pire. Enfin, je pensais même pas qu'on pouvait mourir dans ce jeu, en vrai. Je pensais juste qu'on pouvait se tromper. Oh. So close, so far. Tant pis, je suis trop forte. Ah, ils étaient différents. Ils étaient un peu... comme ça. Ils étaient... les traits n'étaient pas bien nets. Concours. Ok, ok. On va essayer d'aller vite à... De faire les premières vite. Tac, tac. 4. Du coup, pas de visage. Hein. Non, pas de visage là-haut. Pas de visage là, pas de visage là. Tuc, tuc, tuc. Les poignées sont en place. Ok, ok. Le sol. Le sol, il est au calme. Les caméras. Les caméras, les carrés. On est bien. Et ok. Allez, je passe. Je veux pas savoir. Ouais, c'est ça. Je suis une aventurière du gaming, merde, c'était pas bon. Ok, je me prépare. Oh là là, il m'a tué, c'est tellement plus mon bro. J'ai l'impression que c'est des trucs quand même un peu obvious, juste qu'il faut tout regarder. Mais pas forcément dans l'ultra détail. On aurait plus ton fiac. Enfin, sauf un peu quoi. 8-8 machin. Après, j'avoue, je l'ai beaucoup collé tout à l'heure. Il s'est juste vengé finalement. Ah. C'est pas concours, c'est ça. Je turn back. Ok. Bah, après tout, j'ai payé mon harcelage. Attention, les harceleurs, c'est ce qui peut vous arriver. Vous pourrez être tué par quelqu'un qui marche un peu vite. Et hop, game over. C'est bizarre comme mort. Je n'ai pas trop compris. Ok, 4, machin. Hmm. 8, 12, 19. Ah. Ok, bon, les lumières qui clignotent, c'est pas normal. Open 8-8 machin. 8-12-19 PNJ. Toi. Comment tu me tends maintenant? Tu me tends et pas comme j'aime. Attends, exit 8. Oui, voilà. Ok. Concours. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. Normalement les yeux, à moins qu'il y ait un autre truc avec les yeux, bah c'est les normaux parce que ça se voit que les traits ils sont pas... voilà. Et les caméras, attendez. Il y en a 1, 2, 3. Ah oui, oui, c'est ça. Les petits carrés, il y en a 1, 2, 3 aussi. Allez, je la sens bien. Vas-y, vas-y. J'ai dit que je me dépêchais. Oh, on est qu'au niveau 3. Faut qu'on se dépêche un peu, là. Ok. Caméra au-dessus de ma tête. Oh là. Alors, j'ai eu un petit freeze, mais du coup... Enfin, un petit truc graphique, mais je sais... Un petit artefact qui m'a... Je sais pas... Une petite image bizarre. Mais ça avait vraiment plus l'air d'un bug. De texture... J'avais autant de poches, lui, avant. D'un bug de texture. Salut, Shize! Ah, tu connais aussi? Ok. Oh, putain! Chut, non, je vais pas mourir encore! Ah! Ah! Non, 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 c'est pas tout de suite pour moi. C'est pas tout de suite. C'est pas tout... Non, non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ciao.
encore une semaine de tranquillité pour ça. Oh là là. Alors là, je m'en vais aussi. Oh là là, ils me font trop peur. Non, parce que maintenant, je sais qu'on peut mourir dans le jeu. Je suis un peu moins en mode YOLO, quoi. Oh là là, les Men in Black. Ah, mais je suis sûr que tu t'approches de lui de cul. Ok. Bon, un coup. Pardon. Ça, c'était le micro, ça. Une speedrun. Bah ouais, ouais, mais... Si ça se trouve, les gars, ils allaient se déplacer et me courir dessus. Je savais pas, tu vois. Maintenant que je sais... Y'a fait un truc à tes cheveux. Non. Mais ils ont séché en étant attachés. Du coup, ça a fait ce côté un petit peu ondulé, très léger, parce que j'ai des cheveux très fins. Voilà. Peut-être pour ça qu'ils ont l'air moins raides que d'habitude. Ok. L'œil en dessous, la DJ, les yeux, on sait que c'est les normaux. Ok. Ok, ensuite. Caméra carrée. Trois carrés, trois caméras, ça, ça, trois portes. Regarde un peu le sol, c'est bien les quatre carrés, ouais. Concours. Y a pas d'autres trucs en haut, j'ai l'impression. Là, je sens pas mal, j'avoue que... Surtout qu'on vient d'avoir deux ou trois anomalies d'affilée. Donc je me dis, ce sera assez logique qu'on tombe sur une salle normale. Ok, c'est bon. 600. Ok. Bonsoir, Echo, Echo, Echo. Tes cheveux sont venus droits lorsqu'elle a eu peur. Ce serait pas une anomalie, ça. Merci, Kao, t'es mignon. Mais là, les dernières anomalies, elles étaient très obvious. J'avais juste vraiment peur que ça me tue et fasse, ça me fasse recommencer comme tout à l'heure. Avec l'autre, là. Du coup, quand il va vite, faut vraiment fuir, lui. Cet enfoirax. Merde. Elle était bleue, la cigarette, ça, je ne sais pas. J'ai pas bien fait attention. Normalement, c'est souvent une cigarette blanche. Mais... Oh là 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 là. Ça aussi, ça va me tuer. Oh, je m'en vais. Ok, la cigarette est bleue. C'est pas un nom de code, c'est pas un nom de code. Un code ce... Un code pour un truc, la cigarette est bleue. Je répète, la cigarette est bleue, over. Maintenant, je saurai, je ferai gaffe. Ok. Non, mais ça me rassure d'avoir trouvé du coup une autre anomalie, sinon j'aurais bugué pendant une heure dessus. Ok. Il me tend de fou maintenant! C'est trop un assassin. Il m'hypnotise avec son boule. La cigarette est bleue, on rentre à la base, c'est exactement ça. 12-19, là ça c'est les PNJ, il y a 3 points d'examen, 3 ou 4, bref. On n'a pas un détail comme ça, de toute façon, ça n'a pas l'air du tout d'être le genre. Ok, ok. Alors, je regarde vite fait la porte si elle est à peu près bien placée. Ouais, ça a l'air d'être bon. Là, il y en a 4. Concours. Oh là, je la sens très bien aussi, cette pièce, hein. Regardez bien les portes, un peu. Ouais, c'est bon, ça. Les néons, la fois où il y avait une différence avec les néons, c'était un truc très obvious aussi, donc je me dis, j'ai pas l'impression qu'ils vont... Au pire, on aurait un en entier en moins, j'ai l'impression. Pareil pour ces trucs-là, ils vont pas le décaler d'un carré. Ça a vraiment pas l'air d'être à ce point. Enfin, je dis ça, il y a des anomalies que j'ai pas repérées, hein, mais vu que je m'en sors pas trop mal depuis tout à l'heure, je pense que c'est parce que faut juste regarder chaque élément de décor sans spécialement le scruter. Juste voir s'il n'y a pas une énorme différence, genre le visage de la meuf tout à l'heure, genre les yeux qui bougent, genre une poignée déplacée. Mais voilà, pareil, la poignée, elle a été déplacée pas d'1 cm, elle a été mise vraiment au milieu de la porte, quoi.
Donc j'avoue que j'aurais tendance à dire que là je suis à peu près safe, mais là je fais tout un discours en mode je gère, j'ai compris le jeu. Si ça se trouve, on va repasser à l'étage 0 et ce sera bien fait pour ma gueule. Après avoir flex pendant 5 minutes, c'est possible. J'avoue que j'étais en mode un peu, je suis trop confiante là, il va se passer un truc. Oh putain! J'ai envie d'aller voir et en même temps, s'il me court dessus pour me tuer, je serais trop deg. Comme lui, elle l'a fait. Mais je voulais aller voir. Attends, la curiosité. Je suis une aventurière du gaming. Ok. Est-ce qu'on peut revoir les mêmes anomalies dans une partie? Au bout d'un moment, il y en aura juste plus. Ils en ont plus en stock. Et du coup... c'est bon. J'ai que des bonnes salles. Je sais pas. Merci Echo Echo Echo. Pardon. Merci Echo. Quand même. Quand même, un peu de respect. Ok. Oui, j'ai encore failli mourir. Je peux te répondre? J'avoue que je comptais le tenter. Mortian. Bon, ok, j'ai pas vu de gif. Là, il y en a 4. Ok. Carré avant la Ding June. Oh, la musique me donne tellement envie de jouer à Subnautica. Qu'est-ce qui est trop bien ce jeu? 1, 2. 1, 2. Ouais, c'est ça. C'est du Kenkuns. Que ce soit pour la caméra, pas du tout. La caméra, c'est pas un Kenkuns. Mais les carrés, oui. Ah mais on a l'exit 8 là, du coup Du coup je veux être vraiment sûr quoi. Au pire si on commence, on recommence, on va assez vite. Ça va. On est à la 7. On est déjà à la 8 ou on est à la 7? Là, je vois vraiment rien. J'ai regardé bien en détail. Mais je vois rien. Écoute ce que te dicte ton instinct. On a fini Exit 8 en 49 minutes. Eh ben c'est plutôt bien. Succès. C'est toi succès. Ce générique blanc. Oui pardon, d'habitude je fais ça. Remboursé, let's go. Je peux me faire rembourser. Y'a pas eu de succès Steam? Je sais pas. Pas l'impression. C'est vrai que normalement... Après, moi j'ai plus de... Enfin, j'ai fait en sorte de pas avoir de notification. Enfin, non. Pas vraiment ça. C'est vrai ça? Il est où mon succès? J'ai pas eu de succès? Y'en a aucun?
Je connais une bonne douzaine d'anomalies que t'as pas eu. Ah ouais? Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'ai toutes les anomalies pour avoir le succès? Quand tu as une anomalie, tu ne l'as plus. Ah, dans ta partie en tout cas quoi. Elle a pas regardé le panneau. Pardon, il y avait un panneau? Bon tant pis, ça va me faire reculer mais c'est pas grave. Thank you for using the underground passageway. Apologize for any inconvenience. 18 anomalies que j'ai pas eu. Ah, 18 c'est beaucoup non? C'est quoi cette musique? La musique de Somnotica, elle est pas censée être boum boum comme ça, elle est folle. Elle est folle cette musique. D'accord, ok, pardon. Du coup, il faut peut-être que je trouve toutes les anomalies. À 30 en tout, ouais, j'ai vu que la moitié. Le 100% c'est de trouver toutes les anomalies. Ouais. Mais du coup, j'ai pas de succès en ayant juste fini le jeu. Bon, on va essayer de les trouver, mais 18 c'est beaucoup, hein. Et c'est parce que j'ai fini le jeu trop vite aussi. Putain, j'ai pas eu de succès, j'avoue. C'est non. Pourquoi j'ai pas eu de succès? C'est un jeu sur le RER. Ouais, mais sans le RER. Des fois trop forte, c'est ça. C'est-à-dire que t'as pas eu de succès? Bah ouais. Ah, peut-être qu'il faut avoir toutes les fins pour avoir le succès, au moins. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait plusieurs fins. Enfin, j'en sais rien en fait. J'ai lu ça sur un chat quand je sais plus qui le streamait. Je me suis dit ok. Et j'ai fermé. Mais c'était peut-être un faux chat. Hein. Il y en a peut-être qu'une fin en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi. Mais du coup. Finir une fois les 8 exits. Mais qu'est-ce qu'ils appellent les 8 exits? J'aurais eu l'autre de voir la Steam? Non. Enfin, après... Après, je l'ai pas vu s'afficher nulle part. Bon, je sais pas. Je connais pas les succès, donc je sais pas. Mais c'est bizarre, je viens de... Je sais pas. Je viens de finir le jeu devant vous, merde! Là, c'était bon. C'est pas bon. J'étais pas concentré. Merde! Mais je crois que je suis trop reculé pour lire le panneau. C'est pour ça. Donc c'était de base une pas validée rien que pour ça. Oh! Oh! Ça peut me faire mal? Nah, ça fait rien du tout. Je m'en vais. Il y a du caca, ouais. Ah, ça fait bizarre d'avoir ce panneau maintenant à chaque fois que j'avance. C'est trop bizarre. J'ai l'impression de dire, oh, il y a un truc unique, vite, faut que je fasse... Faut que je fasse table rase. Non, faut que je fasse demi-tour. Normalement, il y a une musique là, hein, mais juste, c'est une musique tellement d'ambiance qu'on n'entend pas. Bon, je remets le début de la playlist. Trop nul. Ok, 8-8. Tac, tac, tac. Toi. C'est tout bon? Voilà, ça c'est bon. Toi t'es normal. Le petit chien. Peut-être qu'à un moment c'est la photo du chien qui sera remplacée par un truc horrible. Attendez, je vais pas regarder au plafond. Un. Ah oui, voilà. Ok, niveau 2. Bon, le but c'est de voir les anomalies alors. Le problème c'est que si on me donne trop des salles clean, je verrai pas les anomalies.
eu un bug sur la photo, sur le truc. Il y avait une photo. Des fois, tu remarques un truc au bout de la 45e fois. En mode, mais ça, ça a toujours été là? Oh, c'est bon, vas-y, je me dépêche un peu. Hein. On est là pour voir les anomalies, pas pour finir le jeu. Ok. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, un, deux. Le petit dogo, il est toujours là. La photo, elle est toujours là. Les panneaux, ils respirent et ils bougent un peu. Parce que normalement, quand je fais ça, je tombe pas sur ce panneau. Mais aussi, ils bougent. Ok. Caméra. Carré. Professionnel. Martien. Il y a une anomalie sur son fiac. Semblerait pas, non. Concours. Le dogo est toujours là. 12-19 PNJ petit yeux. La digéleuse. Ok, ça c'est fait. Les portes. On va faire le petit test, hein. Ouais, voilà. C'est ça, il y a une petite distance, quoi. Il y en a 4. Ok. Il y a avoir une trace de pneu sur son fiac, j'avoue. Ah, ce qui est sûr, mais après, avec un pantalon noir, s'il y a une différence, faudrait que ce soit forcément un truc très, très clair. Sinon, on verra pas. Il faut mettre la luminosité à fond pour voir le détail. Non, en vrai, faut que je vois que ton visage un peu. Oui, c'est pas énorme. Enfin, il est comme d'hab, quoi. Ok, je vais me dépêcher un peu, là. Putain, il y a une anomalie que j'ai pas vue. Oh, c'est à l'envers. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le petit dogo, il est super. Et PNJ, toi. Là, t'es comme d'hab, hein. T'essayes pas de me tuer, ce qui est plutôt plaisant, j'avoue. Ça. Ça et ça. Ensuite, porte. Ça. Ok. Les 4 carrés, ok. Concours. Exit 8. 1, 2, 3 cam. 1, 2, 3 trucs. Vas-y, j'avance.
2, 3, 4. Oh, le sol. Bon, eh ben, je me tiens. Ces carreaux jaunes au sol, ils sont n'importe comment. Ok. Regardez, des fois on dirait que son cul il brille un peu. Mais ça c'est parce qu'il est lumineux. Ok, ok, ouais, bon... Bon. Du coup les différences qui me restent c'est probablement les plus dures. En tout cas certaines, vu que c'est celles que... les quelques-unes que j'ai pas remarquées, qui restent. Mais j'ai eu juste avant une salle normale. Oh, je sais pas. Je vois pas de différence là. C'était bon. Merde! Fuck! Ah, tu l'avais vu en TGG. Ça fait deux fois que tu l'as raté là. Ah merde! Ah ouais, donc il y a vraiment un détail que j'arrive pas à spot. Je vais trouver, hein. Je vais trouver à force. Hein. J'avais vu aussi. Ah zut! Un jour faut que... Ouais, ok. Ouais, peu de chance... Bon, c'est peu de chance que je la retrouve, que ce soit la même différence ici. Ok, je me dépêche. Ok, concours. Oh, j'étais bien. Écoute. Ouais, vas-y, on dit que c'est bon. De toute façon, je suis à l'entrée zéro au pire. Hein. Je me trompe. Ok. Mince, j'ai pas regardé le gars. Ouais, bon, lui, il est comme d'hab. Ok. Course, tac. Ils sont placés au même endroit que d'habitude, elle. C'était peut-être ça la différence de tout à l'heure, elles étaient là les deux. Oh ça on le savait. Oh je sais pas, ou alors c'est... Ou alors c'est maintenant qu'elles sont pas normales. Vas-y j'avance, dans le doute, comme ça je vois. Ouais, ok, là elles étaient normales. Ah, c'est peut-être ça la différence de tout à l'heure, parce qu'il me semble que tout à l'heure j'ai vu les deux trucs, mais genre à droite. Du coup, maintenant j'ai l'impression qu'elles sont mal placées. Mais peut-être que c'est pas ça, j'ai peut-être imaginé cette différence. Ok, hein. Ça va, Jute? Il va super. Oh, il me regarde! Ah! Il me regarde! Ah! Au secours, il me regarde, il me regarde, il me regarde! Il va me tuer, il va me tuer. La dernière fois qu'il m'a regardé, il me tuait. Ok. Ah, mais il manque une porte, là. Ok. Oh. Oh, il fait peur quand il te regarde, hein. Vu qu'il... Et puis voilà, vu qu'il m'a déjà tué, j'étais un peu en mode...
un peu en mode stress quoi, vous voyez. Tu me regardes plus ça, c'est bon. Concours. Ah, tu la connaissais celle-là, Trapule? Si oui. Okay. Oui, donc voilà, normalement, ça c'est placé de part et d'autre de la porte. Ok, ça me semble correct. Ça me semble correct. C'était correct. Oh là là. C'était la porte que tu loupais? C'était celle-là? Non, c'est vrai. J'ai raté deux fois une porte manquante. Mais what the fuck, je suis nulle. Ah, y'en a une creepy, une autre. Y'en a quelques-unes creepy, hein. Creepy. Ok. Viens regarder tant qu'il est là. Il me fait pas des trucs chelous. Peut-être qu'à un moment son visage il change. Non, je pense pas. Ok. Concours, hein. Oh, et dans n'importe quel autre jeu, si j'avais pas la flemme de recommencer, j'irais tellement. Mais j'y vais pas. Mais franchement, dans n'importe quel autre jeu, je garantis que j'aurais foncé dans la porte. Mais j'ai pas envie de recommencer, on est au niveau 6. Maintenant, je sais maintenant, j'apprends. Elle était creepy celle-là en tout cas. Ah, c'est pas celle-là, il y en a d'autres des creepy, ok. J'ai peur qu'il me fasse un truc du coup, lui maintenant qu'il m'a fait plusieurs trucs chelous, j'ai... Je suis pas sereine. Concours. Alors là j'ai une sensation, mais je pense que c'est moi, oui j'ai une sensation que les panneaux sont plus petits, mais je pense que c'est juste à force de regarder le même décor. Ouais, je pense que ça doit venir de moi. Coucou Billy Dinozzo. Je suis trop curieuse, du coup j'étais rentrée et t'as dû recommencer j'imagine. J'ai regardé un peu les portes. How are you tonight? Nice and you? Fine plutôt. Ok. J'ai moins l'impression que ces panneaux sont petits. Mais c'est moi qui suis folle. Je pense, ouais. Je pense que c'est moi qui suis folle. Alors. Tac, tac, tac. Le truc vert, oui, le truc rouge, ouais. Attends, je vais compter. Caméra, une... 2, 3, carré, 1, 2, 1, 2, 3. Je vais regarder un peu les panneaux quand même. Non mais c'est moi qui suis folle. Je pense que c'est moi qui suis folle. Alors, du coup les carrés, j'ai bien compté. 1, 2, 3. Les petites bouches d'aération, ouais. Bonne idée, Belmondo.
Cette mini Ox Party, je décède différence. Que je n'ai pas vu. Des gros bisous. Bonne nuit, Diggy Bear. Mon doudou. J'ai une sensation de truc. Mais oui, non, mais c'est déjà. Mais je suis pas. On n'est pas si grand que ça. Oh, mais si, si, c'est moi qui. Je suis totalement folle en fait. Je pense que c'est complètement ça. Hein. Je pense que c'est moi le problème. J'avais l'impression qu'on était plus petit. Plus petit. Non, mais je suis folle. Rendez-vous demain matin. Attends, petit rendez-vous le matin. Attends Billy, je regarde ton message. Je fais que passer, j'ai pas envie de flinguer mon nouveau forfait. Bah oui. Oui oui oui. La parano me gagne. Oui c'est ça, la parano me gagne. Non mais j'avance. Y'avait rien. Voilà, c'est juste moi qui suis folle. Mais vu que, voilà, vu qu'il y a des différences que j'ai pas vues, bah je sais qu'elles sont dans le détail, voilà. Mais bon, là je me disais c'est bon, c'est moi qui... Donc vraiment c'est à hauteur de mes yeux, hein. C'est même en dessous de mes yeux, je pensais pas. Ça va toi, tu fais pas truc chelou. Ça va. Alors le dogo, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je pensais que les portes étaient petites aussi. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai jamais regardé ce détail, donc je pense qu'on était tous en mode... Un truc bizarre. Mais en fait, les panneaux et tout ça, bah, ils sont juste mal mis de base et ils sont trop petits. Enfin, trop petits, je sais pas. Pas très grand, quoi. Ok. Ok. Concourse, c'est bon. Truc comme ça, c'est bon. Les caméras. 1, 2, 3, 2, 3 les carrés, ça c'est bon. Y'a bien 3 portes. Vas-y, j'y vais. Ok, déjà 3 caméras, c'est bon. M'approcher, j'ai peur que tu me tues. Ok, nice. Oh, un bug. Non, ça me semble que c'est un bug. J'ai peur que je connais pas du tout. Oui, c'est normal. C'est un jeu en plus qui n'est pas limpide, surtout la première fois qu'on le voit. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Exit 8 et le but, ça va être d'atteindre la sortie numéro 8. Donc en faisant constamment le même couloir, qui a, comme t'as pu constater depuis 5 minutes, les mêmes trucs et tout, sauf que parfois il va y avoir un petit truc qui va changer, il faut le repérer. Si je repère un truc qui change, je dois faire demi-tour. Si, je te regarde bien toi. En fait, il avait plein de différences, mais on est tombé sur les siennes assez tard. Et si je vois pas de différence par rapport au pattern de base, je dois avancer et le but c'est d'aller jusqu'à la sortie. Mais je suis déjà en fait allée jusqu'à la sortie, donc là mon but ça va être de repérer toutes les différences. Donc je continue le jeu pour essayer de voir toutes les anomalies qui existent dans le jeu. En gros c'est ça. Concours, ok. 1, 2, 3, 4, ok. Caméra, c'est bon. Bon, lui il avait rien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Parfois c'est des anomalies vraiment très obvious. Genre on a vu un raz de marée qui m'est arrivé sur la tronche un moment. Raz de marée rouge. Et parfois c'est un panneau qui va avoir un visage un peu bizarre qui vient d'apparaître. Genre on avait un petit visage chelou dessus. Et voilà. Parfois c'est un objet qui disparaît, truc comme ça. Je pense que là c'est bon, mais je vais peut-être le regretter, mais je suis ultra confiante pour celui-ci.
petit carrelage, il est angoissant ou c'est moi? Bah c'est un petit carrelage. Ah! Bah alors, j'ai le succès que maintenant. Là vous le voyez? Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai le succès que maintenant? On l'a vu là. Mais trop bizarre, j'ai dû le faire deux fois le jeu. Steam bug, peut-être. Bois du don. Et du coup voilà, si tu réussis, tu as la bonne sortie. Au bout d'un moment. La première fois quand t'es passé ça. Et si tu perds, il se passe quoi? Tu dois recommencer à zéro. Tu dois reprendre... Tu dois reprendre à l'exit zéro. Si tu te trompes, si tu vois pas une anomalie, ou si au contraire tu penses qu'il y en a une alors qu'il y en a pas. Ou même si malheureusement le décor te fait que tu perds. Merci! Eh ben, attendez, j'ai pas lu. Bon, tant pis, on va recommencer sûrement à zéro. C'est pas grave. J'ai pas lu. Mince. Ah voilà, c'est là. Ici. Il m'en reste combien? Il m'en reste 10 anomalies. Je vais passer tout court parce que je pense que c'est dead. Vu que j'ai trop reculé. Je pense qu'on va, repartir sur une base saine. Voilà, zéro. Et du coup, il y a toujours le même mec qui passe, il y a toujours les mêmes panneaux, mais bah parfois il y a un détail plus ou moins obvious qui change. C'est moi ou je suis minuscule en fait? Il va me faire mal? Non, ça va. Allez, je suis en RPBB. Je me casse. Ok, sortie 1. Donc là, voilà, c'était vu que l'anomalie était bien... Ah bah il y a un escalier. Je serais envie d'y aller. En vrai, on est qu'à la sortie 1 au pire. Si j'y vais, il se passe quoi? Oh non, mais... C'est pas la vraie sortie, c'est ça. Bah non, exit 0. C'est forcément une anomalie. Ouais, je veux voir aussi. Ah. Le jeu, il a fait... Donc je pense que c'est pas terrible. Jamais vu, bah voilà. Mais vu que j'ai perdu à cause d'elle, elle compte pas pour une anomalie. Oh, ça dégoûte. Y'a pas de musique dans le jeu, hein. Je mets une petite musique de fond. Alors, pardon, faut que je me dépêche. Toi t'es super et ton boule il est super, même si je te déteste un peu pour ce que tu m'as déjà fait subir. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Concours, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, franchement, je le sens trop bien. Pas du tout. Des bisous canache. Un petit screen de Bunny Park. Et oui, ton petit jeu. Bon, c'était pas bon. C'est pas grave. On va essayer de toutes les trouver. Concours. Là, j'avoue, j'étais ultra confiante, j'aurais pas dû. Concours. Toi. Téléphone, mallette, enfin serviette, comme on dit. Open 8-8, la petite dame, le petit dogo 12-19, les 4 points d'exclamation PNJ, les yeux, la DJ 3000, les re des yeux. Et on fait ça, tac, suic, on regarde. Voilà, c'est à peu près bon. Là, il y a 4 carrés avant la ligne jaune. Il y a caméra plus carré, caméra plus carré, caméra plus carré. Carré, c'est donc un con, c'est caméra non, c'est normal. Enfin, pas tout à fait. Les poignées de porte, c'est tout bon. Salut, Angel Earth. Je passe. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow. Je n'arrive pas à voir. Cassé. J'ai pas le temps de voir, désolé. Merci pour le follow. Parce qu'en fait j'avais le chat à moitié dessus, plus une scène d'obèse que j'avais mis en... Bref. Des trucs quoi. Merci. Ok, donc c'était bon, il y avait rien. 8-8, la dame. Le dogo, le truc. Toi. La vitesse elle est normale, le QI est bien. Il est super. Tac. Le dogo. J'attends vraiment le moment où la photo du dogo changera. C'est sûr qu'il y aura ça. Ah, j'abuse un peu.
s'appelle casser mon cul. Tu dois te faire souvent ban, toi, non? Concours 100. Les gens sont sympas pour l'instant. Bah en même temps, voilà, ça, même si en soi ça c'est pas grand chose. Dire bonjour casser mon cul, bizarrement, ça peut être pris d'une certaine manière, tu vois. Bref, je suis pas concentrée. Caméra. Nanana. Ah, je le sentais bien. Allez, on a toujours 9 anomalies à trouver si je ne dis pas de bêtises. Les cheveux plus longs, non? J'ai l'impression de loin, j'ai peut-être de bêtises. Hein. Je suis peut-être une dégénérée. Non, c'est bon, il est ok. C'est pas un grain de beauté. Y a pas un grain de beauté qui s'est déplacé, ils sont pas comme ça. Ok. Concours. Exit 8. Là, je vois rien, mais... Mais bon, forcément, il reste des erreurs que... Ah, si, la caméra rouge! Ah, il y a GLaDOS! Vas-y, putain, va me tuer! Elle est pas du genre sympa. Ok, j'ai repéré GLaDOS. 3 caméras, 3 carrés. Les yeux. Ok, ça c'est bon. On va refaire la petite technique de faire chouic, ok. Bah là, moi j'ai envie de dire que ça a l'air d'être validé, hein. Regardez ça. Elle est bleue. Allez, je tente. 0, merde, il y avait une différence. On reste combien? 8. Mince. Rip. Ouais, il doit être plus sur le détail, ouais, c'est clair. Vu que je pense que maintenant il y a vraiment celles qui sont toutes impossibles à trouver, je pense. J'avoue que j'étais assez confiante. YOLO! Caméra. Carré. Carré à droite, carré à gauche. Ok. Ok, j'aimerais bien un moment ouais, qu'il arrive avec une coupe de cheveux totalement what the fuck. Enfin, j'aimerais bien. Disons que ce serait un peu rigolo.
Ça commence à être compliqué là. Il arrive en fait, c'est une licorne. Trop bien en vrai. Où est le frisson? C'est vrai, là il n'y a pas trop de frissons. Oh, je vois rien. Il n'y avait rien. Caméra. Ouais, caméra. Il sourit? Non, je sens pas lui. Enfin, évidemment, c'est une différence, mais en plus, je sens que si je le, s'il me touche, il va me tuer. Plus que 7. Ok. Tac, tac. 1, 2, 3, 4. 8, 8. Machin. Bon, tu refais la gueule? Merci. Je te préfère comme ça. Excusez-moi, je fallait que je réfléchisse. Ah, j'ai pas su le faire. Bref. Caméra et carré sont face à l'autre. J'avais remarqué ça la dernière fois. Quick, quick, quick. C'est toi, bêtise. Est-ce qu'il y avait le petit rond noir dedans? Well, excuse... ah, je sais pas. Hein. Oui, c'est pas deux trucs. C'est toi, princesse. Ça va, Surf Moine? Salut, Jobard, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai pas dit bonjour et la personne en plus est partie. Désolé, désolé. Je regarde pas beaucoup le chat pour que vous puissiez un peu discuter. Oh! Ok, j'ai compris! Numéro 4! Et il nous reste 6 anomalies, je vérifie à chaque fois. J'ai l'impression que la distance entre les deux n'est pas bonne, mais je pense que si en fait. Quoi? Musique qui s'emballe. Musique de la playlist de Somnotica. Bonne nuit, Billy, mon courage! Bon. Je pense qu'il n'y a rien là. Ouais, il n'y avait rien. Ok. Il nous reste toujours 6 anomalies à voir. Ah, j'ai l'impression qu'on l'a vu. Il ne manque plus que 5 anomalies à trouver. Je vérifie que ce soit bien pris en compte, juste. J'espère que je vais finir par trouver celle qui est très dans le détail là. Et bientôt sur la VOD, ça marche. Bon, monsieur. J'aimerais bien avoir plein qui défilent sinon. Bref, des trucs très obvious comme ça, je finis le jeu. Facile. Je fais le 100% easy. Tu l'as commandé le projet. En cours, c'est en cours.
Bon, bah ça a l'air d'être bon ça. Et l'anomalie que j'aurai toujours. Enfin, je pense. Là, ça fait un truc bizarre, un bug ici. Mais c'est un bug ou c'est... La texture, elle a bugué, mais c'est pas la première fois. Je crois que c'était pas une anomalie la dernière fois. On avait pas. Ouais, ouais, quand la texture bug, ça par contre, c'est pas... c'est pas normal. Enfin, c'est normal, je veux dire. Oh, la porte. Oh, oh, quelle horreur. J'ose pas... S'il m'approche, je vais devoir recommencer, ça me fait chier. Il y avait clairement quelqu'un derrière qui souriait. Hein. 4 anomalies. Elle était contente, oui, c'était une meuf, ouais. J'ai tellement reculé dans mon siège, c'est vrai. Si tu finis, tu sors, le compteur des anneaux reste tel quel. Le compteur des anneaux. Ça, pardon, je regarde le monsieur. Ah, des anomalies, pardon, c'est logique en fait. Ouais, ouais, si. Si là je finis le jeu et que je sors, faut que je continue. Mais j'ai l'impression que tant que je continue vraiment dans. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai l'impression que si. Je continue après, ce sera que des nouvelles anomalies que j'aurai quand même. Y a pas, j'en ai vu aucune se répéter, donc ça compte pas comme quelqu'un qui recommence la partie. J'ai fini déjà 2 fois le jeu. Et ça a pas compté voilà. Donc au moins les anomalies que je vais voir, c'est forcément des nouvelles. J'espère qu'il y en a pas une, parce que je vois pas. Hein. Ok, les caméras. 1, 2, 3. Les carrés, 1, 2, 3. Bon bah on finit une troisième fois, du coup. Il ne reste plus que 4 anomalies. Ça va. On va y arriver. Pardon. Professionnel. Merci. J'ai gagné. L'avantage c'est qu'au bout d'un moment tu tombes forcément sur la même anomalie. J'imagine, si t'en as une quoi. J'avance un peu la playlist, on va voir, sinon je mets Monkey Island. Histoire de rester dans le thème. Il me reste 4 anomalies. Bah déjà en anomalie, on sait qu'il reste celle du gars qui va vite parce que je suis morte, donc je pense qu'elle compte pas. Et l'anomalie des escaliers, parce que pareil je suis morte, donc je pense qu'elle compte pas. Vu que du coup, bah, j'ai pas réussi. C'est comme si j'avais pas réussi à les voir. Enfin, je pense, hein. Hop là, je vais un peu plus loin. Concours. Exit 8. Caméra.
Bon allez, de toute façon c'est la première, au pire si je me trompe c'est pas très grave. Ah mais je me suis trompée, punaise, il y a vraiment un détail que... Que je vois pas, hein. Est-ce que c'est lui qui va trop lentement? Non, je pense pas. Bah là, il y en avait une. Je sais pas si vous l'avez vue. Mais il y en avait une juste avant. Vous pouvez dire si vous l'avez vue sans me dire ce que c'était, évidemment. Elle a pas vu. Ok. Ok, ok. Bon, c'était vraiment du détail, alors. Parce que la porte, c'était un truc... un truc très obvious que j'avais pas vu. Là, au moins... Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Là, je le sens bien, là. Voilà. Ah oui, bah oui, c'est vrai. La première ne compte pas. Bah oui, c'est vrai, c'est assez logique. 8, 8. Tac. Oui. Ok, ça a l'air d'aller. Et ton fiac va super aussi. Concours. De rester sur une vue d'ensemble un peu. Typiquement, si j'avais fait ça la dernière fois, j'aurais peut-être remarqué qu'il n'y avait pas une porte. Il y en a un qui clignote là-bas, non? Ou c'est juste l'affichage qui est chelou? Non, ça clignote pas, c'était l'affichage. Ok. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, les portes, je vais me refaire ma petite technique, si ça fait longtemps. Re. Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Ce jeu me fait pas envie, ça dit quoi? C'est bien? C'est un jeu vraiment de différence et d'observation. Et il y a des anomalies un peu creepy. Mais pas de screamer. Juste des trucs où t'es là, wow, qu'est-ce que c'est cette horreur? Voilà. Mais c'est un jeu où il faut observer en boucle le même truc. Donc je peux comprendre que ça donne pas plus envie que ça. J'avoue que j'aime bien. L'ambiance, ouais. L'ambiance est cool. J'espère que ça a été ton live et ta soirée. Et des bisous si tu vas te chier coup. Bon, le chien, je suis sûre qu'à un moment il y aura une autre photo à la place du chien, mais... Mais non. Ah, me fait pas mal envie, pardon. Bah, elle est sympa. Horreur psychologique, ouais, bah le fait de refaire le même truc en boucle... bah déjà c'est... Ah. Bon, je dis ça et en même temps il y a des gens qui... Il y a des gens qui jouent à Rust depuis genre 1945, donc voilà, il y a des gens, ils adorent faire la même chose en boucle, mais... Je sais pas pourquoi j'ai choisi Rust en plus alors que le jeu est cool. Hein? Mais c'est un peu backroom, il y a un petit concept backroom en beaucoup plus... Chill. Et c'est un jeu où tu deviens parano, ouais. Il y avait rien. Mais du coup, on le finit assez rapidement. Et après, là, le but... Enfin, ça dépend pour qui, j'imagine. J'ai fini... Ah bah voilà. Là, c'est une anomalie. Il faut que je... parte. Voilà. Après, l'avantage, Aurel, c'est que celui-là, tu peux juste pour atteindre la première fin sans le faire à 100%. Là, moi, là, je vise le 100%, donc j'essaie de trouver toutes les anomalies. On a fait ça en 45 minutes. Donc, je pense qu'après, il y a moyen de mettre plus de temps, mais c'est un jeu, il va pas te faire 6 heures, quoi. Donc, si un de ces quatre, tu cherches un jeu plutôt rapide, au moins, t'as cette... t'as cet avantage. Les gens qui jouent à l'étal compagnie H24, genre moi... Ah, j'avoue que le jeu est trop bien. donc je comprends. Bon, l'envahiture de l'anomalie bien chiante, je sens. Oh là, la musique. C'est la musique de moi, il n'y a pas de musique dans le jeu, il y a juste ça, comme ambiance sonore. Ça va, il est pas trop lent. J'ai pas vu, je regardais le chat. C'était une anomalie que j'avais déjà eue.
C'est bien, oui, ça c'est bien. Des fois j'aime bien aussi me dire, ah, le jeu sera pas trop long. Je vois pas ce que c'est. Ah, l'état de compagnie, il faudra qu'on te le fasse découvrir un jour. Demain, il y a une VOD l'état de compagnie qui sort sur ma chaîne avec une histoire de porte qu'on a passé plein de fois. Elle sort demain. Je crois. Demain ou après-demain ? Demain, je crois. Voilà. Si jamais... En plus, il y a une nouvelle malle de l'étal. Une nouvelle match de l'étal. Ouais, j'étais sur le live d'Orti, elle en parlait. Mais il jouait avec plein de mods, alors je ne savais pas ce qu'il faisait... Ce qu'il y avait eu, mais... Ah oui, non, mais il m'en avait parlé, Efrim. Il y a une... Il y a un challenge maintenant sur l'étal compagnie. Où tu as qu'une journée pour faire le truc. Oh, j'ai entendu un bruit, je crois. Mais je parle en même temps. Oh, il n'y a pas d'anomalie, vas-y. Étage 0. Non, c'est bon. Étage numéro 4. Il n'y avait pas déjà mis sur TikTok? Non, même pas. TikTok, ça fait un petit moment, mais j'ai pas trop le temps de faire du montage. Et bon, bah, quand je me casse le fût à faire du montage sur TikTok, c'est des vidéos qui ne marchent pas forcément. Mais faudrait. Mais je pense que je vais m'y remettre un petit peu plus... Un petit peu plus sérieusement à mon retour de vacances. Oh, ce cul. Pardon. Oui. Oui, KO, je vois tes petits messages sous les VED, c'est trop mignon. Qu'une journée. Oui. Y'a pas de sympa de Noël, je peux... ça peut... S'il n'y a pas de coussin péteur, ça peut le faire. S'il n'y a pas de porte, ça peut le faire. on y arrivera chill. Sans problème. Ah, punaise. J'ai revu le clip de Gaël. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Non. Je suis pas concentrée. Attendez, concours. Ah, oh, c'est la musique qui commence, c'est tout. 1, 2... Est-ce qu'il peut manquer un néon à un moment? La musique de Monkey Island. Un petit peu de douceur. Deux salles, deux ambiances, c'est ça. Néon comme dans Matrix. Ouais, en version francophone, tu sais. Après Bilbon, Frodon, Néon. Néon, Néon et Néon. Alors ça me fait rire sur le live d'Orti, dans la boombox, il mettait... dans la boombox sur l'étal compagnie, il mettait bah, des chansons, mais bah, du coup forcément ils avaient un peu peur des strikes. Et il y avait de temps en temps un 2 minutes du peuple qui passait dans la playlist. Ça m'a bien fait rire. Je trouvais l'idée très drôle. De foutre les 2 minutes du peuple sur la boombox de l'étal compagnie. Donc la boombox, c'est en gros la chaîne Ifi. Il me reste combien d'anomalies? 3. Allez, on va le faire. Donc je ne le peux que c'est ça. Hein? Oh, je me tire. Ok, plus que 2 anomalies, les amis. Je pensais que c'était la trappe, le bruit. Quelle trappe? Y'a pas de trappe? Ah, tu veux dire ça là-haut? Eh ouais, les méduses, on les voit bien, hein. C'est vrai que du coup, je me mets vachement sur le côté. On va mettre plutôt comme ça. C'est vrai que je suis super mal cadré, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce cadrage de professionnel, là? Mais ouais, mais bon, sinon, vous voyez pas mes méduses. Voilà. C'est des vrais plaisirs. Je vais faire un point d'exclamation méduse, je crois. Professionnel.
Bon, à votre avis, anomalie ou pas? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, ok. 3 portes. Let's go. Ça, 2. Hop, on va faire le petit truc. À notre avis, c'est fer, merci. Vas-y, c'est bon. 7. Des bisous Aurel, merci d'être passé, c'est cool. Couille. À toi. Que la couille soit avec toi. Mais surtout, n'oublie jamais de croire en couille. Salut Ephrim. Des bisous Aurel. Allez le voir, je vous en supplie. Je vous en supplie. Fortement. Pray for couille. Toi là, t'as un truc sur ton pantalon. Non, c'est juste bizarre de base. Oui, j'arrive sur couille, donc ça que ça va. Attends. Ah, il me manque une des dernières que je rate, que j'ai ratée à chaque fois, c'est dur. Hein. Premier degré, j'ai sorti la rêve de couille du coup. Un coup sans raison. De quoi, quand? Mais comment ça? Dans une conversation, c'est ça? On t'a dit... T'as dit un truc, t'as répondu couille. Bon bah c'est... Eh, ça me semble bien... De toute façon j'ai plus que deux anomalies. Dont une que je sais. Exit 8. Là, il y a une... Voilà, ça va être chaud. J'avais avec ma soeur, j'ai dit couille, je sais plus pourquoi. Au taf devant le directeur, couille. Énorme. Hello Yuni, ça fait plaisir de te voir. J'espère que ça va. Tu l'avais fini, j'imagine, toi, Exit 8. Parce que je t'avais vu un peu dessus et j'avais pas trop regardé en me disant « J'aime bien l'ambiance, je vais faire sûrement un de ces quatre. » Et du coup, bah voilà. Après, j'avais oublié le nom. Et vu qu'il a été refait récemment par des streamers, je me suis dit « Ah, mais c'était ça le truc de Yuni, vas-y, je vais le tester. » Et voilà. Il me reste plus que deux anomalies. Fini, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il est cool. J'aimerais bien finir en faire toutes les anomalies dans la VOD. Mais bon, là, par exemple, il y en a peut-être une, et ben, je l'ai pas vue. On a sorti 8. Tout à fait. C'est le 8 belge. Vas-y, là, c'est bon, je suis sûr, c'est bon. Merde, c'était pas bon. En même temps, ça m'arrange, parce que sinon, on se serait tapé encore le... On se serait tapé encore le générique de fin. Et bon, bah un peu chiant quoi. On l'a vu 3 fois, ça va. Des fois d'affilée la même. Bah ouais, mais je ne la vois pas. Vous l'avez vu, vous, du coup? Donc vous l'avez tous vu? Ah, elle est obvious, alors. Enfin, obvious. Elle est remarquable, quoi. Fuck. Enfin, elle est obvious. Ok, 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 ok. Ah, lui! C'est lui qui m'a tué! Attendez, il vient sur moi. Ah! Bon, du coup, il me reste plus qu'une anomalie. Vous mettez la presse. Il peut te tuer? Oui!
Je l'ai laissé moi, je l'ai laissé venir vers moi. Et ben ça m'a fait game over. Quand il m'a touché, il m'a bloqué. En fait, il m'a pas fait un coup, hein, mais il m'a bloqué. Et du coup, et ben c'était dead. Du coup, tristesse, trahison et disgrâce, quoi. Rappelle pas de ça. J'avoue que je commence à tellement connaître la salle que j'ai l'impression vraiment de plus trop pouvoir être surprise. Hein. Je pense que c'est pas sur lui la dernière anomalie. Fais point exclamation émote si tu veux les avoir. Mais moi je les ai laissés pour les subs. Histoire de donner un petit avantage. Vu que bon, n'étant pas partenaire, je peux pas leur donner beaucoup d'avantages. Putain, j'ai encore raté. Je pète un plomb. Je l'ai vu, mais moi je la vois pas. Je ne la vois pas. C'est foutu, je ne la vois pas. Je la vois vraiment pas, quoi. Je suis en tunnel vision, alors je la vois plus. En fait, je sais pas regarder. Tu vas y arriver. Il me reste qu'elle, oui c'est ça, donc en vrai... En vrai je suis censée... voilà, je suis censée y arriver. Détesterais y jouer. Oh bah après tu peux, moi j'essaye d'avoir le 100%. Mais tu peux juste essayer d'atteindre la sortie 8. Ça te prend pas mal moins de temps. Et voilà, et t'es content quoi, t'as fini le jeu basiquement quand tu fais ça donc... Je tunnel trop facilement. Je comprends. Après, voilà. Là, c'est parce que je veux toutes les différences. J'essaie de regarder un peu d'ensemble pour un peu moins tunnel visionné. Mais c'est sombre, des bruits de pas qui changent. Ça pourrait, mais ça s'entendrait, tu vois. Ah non, ça me dit rien, Yuni. Qu'est-ce que c'est ? Ah mais c'est des visages ça ! Mais ça a toujours été des visages ? C'est ça? Ah non, ça a pas toujours été des visages. C'est bon, on a trouvé toutes les anomalies. En fait, j'ai déjà regardé plusieurs fois ça en me disant... Ouais, bah c'est juste le pattern qui se répète, quoi. Ah, et du coup, ça repart à zéro. Tu le regardais? Ouais! Plusieurs fois, je me suis. Je fais pas gaffe, mais ça doit être juste le pattern qui se répète, tu vois. J'ai 100% le jeu! J'ai 100% le jeu! Ah! Let's go! Et lui qui va vite et qui va me tuer!
Let's go, numéro 6. Ah, c'est les yeux. Je les ai reconnus parce qu'ils sont tout fins. Je l'avais reconnu tout à l'heure. Ça speedrun de fou. Ah, pour essayer de finir sur un générique, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. On en a eu déjà 3, ça va. Ouais. Celui qui te suit du regard, il est assez terrible. Ouais. Enfin, le... Je veux dire, celui où lui te suit du regard. En penchant la tête. Ouais, je suis sûre que si tu te mets derrière, du coup, il doit tourner la tête ou faire un truc chelou. Donc, il n'y en a aucune avec le petit dogo. Nous le saurons. Comme le méchant de Game of Thrones. Attends, attends un peu la réaction. Si personne ne surréagit, je serai un peu deg. Attends, un couteau. Mais oui, moi aussi. Franchement, ça fait un peu bizarre. J'ai pas. Mais c'est pas Game of Thrones. Ah, mais là, c'est ça, c'est les panneaux. Regardez, ils grandissent. C'est pas Game of Thrones, c'est Seigneur des Anneaux. Voilà. Est-ce que là, c'est chill? Ah, terrible. Concours, du coup. Tac, tac, tac. Le sol, c'est bon. Là-haut, c'est bon. Tac, là, il y a bien une porte. Là, bien une porte. Les poignées ne sont pas au bon endroit. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Là, vous pouvez spoil, hein, on s'en fiche. Ça, c'est un peu un concours de rapidité entre vous et moi, finalement. Bon, il n'y a rien par rapport au néon, à part quand ils sont dans le delbord. Au plafond, il peut juste y avoir un truc. Là, il peut y avoir run, turnover, machin... Il y a bien 3 portes, il y a ça. Toi, tu sembles à peu près normal. Il n'y a rien par rapport à son fiac qui est éblouissant de toute façon. Il n'y a rien par rapport à cette affiche, celle-là. Un par rapport à celle-là, un par rapport à celle-là. Celle-là, elle peut être juste en 1000 fois. Il peut en avoir une là. Là, c'est normal. Là, c'est normal. Là, c'est normal. Le sol, tac, tac, tac. Les caméras, et... là, c'est pas normal. On s'en va. Ça a mis du temps, hein. Il suffit de voir les anomalies et de faire demi-tour. Soit tu continues tout droit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie. Tu fais demi-tour, ça veut dire que tu as vu une anomalie, genre ça. Et là, j'ai fait demi-tour. Oh ! Oh ! C'est une démonstration. Je suis streameuse. Tu ne souris pas. Ton fiac est superbe. Cette porte, elle est bien. Ça va peut-être être enfin une salle sans anomalie. Semblerait, hein. Je vais faire un... Voilà, je vais voir. C'est la celle-là. Ok, ça a l'air d'être bon. Choc barre de baiser. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir conclure la VOD. Professionnel. Sub 2 heures. It's ok. Je peux me faire rembourser. Les bisous de la VOD. C'était Exit 8. C'est sympa. J'allais dire jouez-y. Mais si vous avez vu la VOD en entier, bah ça n'a plus d'intérêt. Mais il y a Station 7, je crois. Qui propose le même type de contenu, des bisous VOD. C'est au-dessus du ciel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça on le savait.